profession du père, parachutiste. Et les parachutistes, ton père est mine. Debout, rebelle. 25, 26. J'ai vu qu'il y avait deux types derrière toi. Et là, je me dis, merde, je vais encore être obligé de me battre. T'as pas reçu de coup? Non, moi non, mais lui, il est dans un sale état, je peux te le dire. C'est les compagnons de l'ascenseur. C'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, deuxième dame? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits. Faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter. Même ton père. La nation, bravée, notre puissance. Tu n'as pas de parole. Acceptes-tu de rejoindre le camp de la France? Exactement comme moi. Comme toi. J'ai une mission pour toi. Écoute, moi, je suis désolée, il est tard, il fait nuit, c'est non. Et qu'est-ce que tu cherches, là? Tu cherches à saper mon autorité, là? C'est juste qu'il est tard et qu'il a 11 ans. Et... Je m'en fous qu'il soit tard! Pourquoi il est comme ça, papa? Tu sais, faut pas lui en vouloir à ton papa. C'est toi qui vas tuer de vol. Votre fils nage en plein délire. Vous trouvez ça normal, vous, d'avoir le projet de tuer De Gaulle? Vous mesurez la gravité des choses? Vous avez raison. Notre enfant est complètement fou. Il t'en fait voir, hein. Non, ça va. Tu peux me raconter, tu sais. Vous êtes tous les deux contre moi? C'est pour toi, je voulais tuer De Gaulle! T'as un petit problème! C'est toi qui es fou, papa.